Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Guitar. Deuxième volet sur les barrés, sans barrés. Donc les accords de quinte qu'on a vu l'autre fois. Et là, on va commencer à prendre les notes sur le manche à partir de ces fameux accords de quinte. C'est parti! On va donc reprendre les accords de quinte qu'on a commencé à voir l'autre fois pour faire la suite et aller sur les barrés progressivement. Et on va commencer à voir quelques notes sur le manche, de manière très simple et applicable de suite. On avait vu l'autre fois les accords de quinte sur les accords sur les cordes de mi et de la, donc la sixième et la cinquième corde. Donc qu'on pouvait faire avec soit index majeur, soit index annulaire ou index auriculaire, hein, je rappelle. Pensant à bien cibler l'attaque au niveau des cordes graves, justement. Et là, on va commencer à prendre juste les notes pour notamment vous montrer que ça peut être utile si vous jouez avec d'autres icos qui connaissent eux les notes. Et si vous ne les connaissez pas, ils vous disent voilà, fais-moi un accord de quinte de Fa. Si vous ne savez pas où est Fa, c'est dommage. Comme ça, au moins, ce sera plus simple. Donc, notamment, on va commencer par la corde. On va juste faire aujourd'hui les cordes de Mi et de La, simplement, jusqu'à la cinquième case. On verra la suite. Plus tard. Donc la grosse corde, c'est un mi. Donc après, vous connaissez les notes comme moi, hein, mi, fa, sol, la. Quatre notes. Alors sans vous parler d'histoire d'intervalle de ton, de mi-ton, de machin, de truc, hein, il y a plein de trucs que je vous recommande d'apprendre, mais là on va pas se prendre le chou, on va juste voir les notes sur le manche tranquillement. Donc sur la grosse corde, on a un mi. La note d'après, un Fa, première case. Donc déjà, vous pouvez vous dire, bon, en accord de quinte, je connais un Mi. Après, accord de quinte qui suit, c'est un Fa. Voilà. Déjà, vous connaissez deux accords, le nom de deux accords. Mi, Fa, Sol. Donc Mi, Ma, Fa et Sol. Troisième case. Et donc, comme on a vu la dernière fois, le Sol en quinte, enfin l'accord de quinte, comme ça. Ou avec le petit doigt, par exemple. Voilà. Donc vous savez jouer maintenant un Mi en accord de quinte, un Fa en accord de quinte et un Sol en accord de quinte. Voilà. Déjà, en quelques secondes, vous venez d'apprendre enfin, le nom de trois accords. Pour ceux qui débutent, hein. Je rappelle, la chaîne s'adresse principalement à ceux qui commencent et qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Voilà. Donc, Mi, Fa, Sol. Et comme je disais, on allait jusqu'à la cinquième case. Cinquième case qui est un La. Mi, Fa, Sol. Écoutez bien cette note à la cinquième case, donc sur la grosse corde. Quand vous accordez votre gratte au début, souvent vous faites ça. C'est pour que ce soit la même note, le même son du moins. Et donc, je pense que vous avez deviné, c'est que cette note-là, c'est la même que la corde à vide. Ça, vous le savez quand vous accordez votre gratte. Et donc, forcément, là, on a un La. La corde à vide, on a un La. Donc là, on a un La en accord de quinte. Pareil avec le majeur ou les autres doigts. Donc, si on suit les notes de la gamme, donc Mi, Fa, Sol, La, Si, le Si, deuxième case. Et donc là, vous savez jouer un Si en accord de quinte qu'on a vu l'autre fois. À chaud,
Si vous avez un peu de géométrie dans la tête, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais on s'en fout. Sur le mi, pour arriver au fa, on allait d'une case en avant. Et du la, pour passer aussi, c'est deux cases. On fait pas ça. On fait ça. Donc, vous pouvez vous dire comment ça se fait. Alors, ça, c'est les intervalles. Ce que je disais au début, les tons, les demi-tons, etc. Voilà, j'y reviendrai plus tard hein, pour détailler un peu de théorie. Alors, j'en ferai, hein, bien sûr, mais plus tard, là, le but, c'est de vous donner de matière à jouer le plus rapidement possible. Donc, pour aller aussi, c'est donc deux cases. Voilà. Un la en accord de quinte. Et un si en accord de quinte. La, si, do. Et là, on n'avance que d'une case. Do en accord de quinte. La, si, do, ré. Voilà. La, si, do et ré. Voilà, on va se contenter de ça pour ce volet. Donc je répète, mi, fa, sol, la. Première case, troisième et cinquième. La, si, do, ré, corde à vide, deuxième, troisième, cinquième case. Et donc en accord de quinte. Mi, fa, sol, la. Sol. Et la. La, si, do, ré. Si. Do. Et ré. Voilà, un poil de théorie pour ce numéro. Et donc, je répète hein, ce que je disais sur le précédent volet sur les accords de quinte, que je vous mettrai en suggestion pour ceux qui ne l'ont pas vu. Travaillez vraiment avec la diverses positions, c'est-à-dire index majeur, index annulaire et index auriculaire. Par exemple, le ré, dernier accord qu'on vient d'apprendre. Ben, je vous invite vraiment à le travailler autant avec le petit doigt, l'annulaire, pardon, et le majeur. Et là, le majeur, il faudra travailler une petite extension. Alors on travaillera aussi des exercices d'extension qui sont un peu désagréables, mais qui font du bien, notamment après quand on veut jouer certaines phrases. Et ça, comme je vous disais l'autre fois, qui peut être super utile pour travailler des phrases enfin, des accompagnements blues rock, rock and roll et compagnie. Après, vous pouvez le jouer comme ça aussi, hein. Donc juste voilà un peu de théorie, mi, fa, sol, la. Corde à vide, première case, troisième case, cinquième case. Et donc sur la corde de la, si, do, ré, corde à vide, deuxième, troisième, cinquième case. Voilà. Et après, bah, pour ceux qui je pense ont bien compris, là vu que vous avez un ré. Donc là, un ré en accord de quinte, et etc. Sachant que l'accordage est différent avec le sol et le si, qu'on verra bon, un peu plus tard, ben, je vous laisse le soin de travailler, enfin de voir par vous-même les accords de quinte par la suite, qu'on verra bien entendu sur un autre numéro. Voilà, un petit peu de théorie pour ce petit volet. Donc la prochaine fois, on verra pareil les accords de quinte un peu enrichis. Petit peu, que ceux qui pratiquent la gratte depuis un moment connaissent, mais on verra d'autres par la suite pour arriver donc au barré proprement dit. Et donc un autre élément que j'avais dit aussi, mais que je répète encore une fois, pensez à bien positionner le pouce, alors pas en haut du manche, vous pouvez essayer mais vous allez vous faire mal, en bas, bien à l'arrière, et en essayant soit de le mettre bien perpendiculaire, soit légèrement en biais. Voilà.
Pensez à bien casser votre poignet aussi. Par exemple, là comme ça au bout du manche, vous avez le poignet qui n'est pas cassé directement, mais voilà. Pensez à bien faire ce geste-là. Voilà, quand vous jouez des accords de quinte et plus tard les barrés. Voilà. Donc comme je viens de dire, avec l'auriculaire, l'annulaire ou le majeur, travaillez autant les doigts un peu aplatis. Que juste le bout des doigts. Vraiment, juste le bout des doigts. Alors au début, vous allez voir, sur le bout des doigts, ça va vous faire mal. Vous aurez la ligne des cordes qui sera marquée. Ça va vraiment vous faire mal. Alors, ça va venir. C'est le temps que la corne se fasse et que le doigt, enfin les doigts s'habituent un peu. Mais au début, ça fait mal. Surtout, notamment, si vous avez une guitare classique ou une guitare folk, ça fait mal. Il y a pas d'autre mot. Après, ça vient avec le temps. Après, bon, de toute façon, quand on joue longtemps, des heures et des heures, ben, ça fait encore plus mal. Mais au début, vous allez voir que qu'on n'est pas habitué, justement, ça fait bobo. Voilà. Donc, essayez de retenir ça pour l'instant. Et on verra, bien sûr, les notes sur le manche, enfin, sur la suite du manche dans d'autres numéros. Mais déjà, avec ça, vous pouvez vous amuser à jouer des rythmes et des grilles de blues, de rock, de pas mal de choses, rien qu'avec ça. Voilà, pensez à vous abonner à la chaîne, donc 2 vidéos par semaine. Pensez également, si les tutos que je fais vous intéressent et vous plaisent, à les partager sur vos réseaux sociaux, justement, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comme d'hab. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre épisode et d'autres aventures. Ciao!